département du Gard, situé au sud de la France, offre une possibilité de pêche extraordinaire du Black Bass. C'est dans la région de Nîmes que se trouve le meilleur secteur pour rechercher ce poisson. Il s'agit de la basse vallée du Gardeau, du bas du Dourle et du canal des Capettes en Camargue. Ce n'est pas sans fierté que Gilbert Nicolas, président de la Fédération de pêche, décrit le réseau hydrographique du département, très riche et varié. Dans notre département du Gard, vous pouvez trouver une diversité géographique importante puisque le département, on peut le diviser en trois zones distinctes. Une zone de montagne avec un sommet qui culmine à 1567 mètres et qui est naturellement le mont Aigoual. Une zone de garrigue qui, disons, couvre tout l'Usège et le bassin nîmois. Et ensuite, une zone humide dans laquelle nous nous trouvons, qui est composée essentiellement d'étangs, de marais, et qui est très riche. Ensuite, nous avons une diversité de rivières et un réseau hydraulique très important, puisque le département compte 1000 km de deuxième catégorie et 600 km de première catégorie. Dans toutes ces rivières, on trouve une diversité de poissons très abondante, qui passe bien entendu de la truite fario dans la zone montagne et pré-montagne des Cévennes, sur les contreforts, pour ensuite avoir toutes les diversités de poissons autres en deuxième catégorie, en passant de la carpe, du silure qui fait une remontée importante dans le département, des carnassiers tels que le brochet, le sandre. Vous avez aussi, bien entendu, un poisson qui devient emblématique dans le département, c'est le Black Bass. C'est une espèce qui est très prisée. Nous détenons d'ailleurs le record national avec un poisson de 3,6 kg. Ce poisson est devenu tellement emblématique dans le département du Gard que nous organisons annuellement une compétition dénommée le Big Bass. Cette compétition est organisée avec le concours des APPMA de Montfrain et de Comps et également patronnée par la Fédération du Gard. Le Gardon, ou plutôt les Gardons, car il est formé des Gardons d'Alès et d'Anduze qui se rejoignent au pont de Cassagnol, abrite une très belle population de Black Bass sur un parcours d'environ 10 km en amont de sa confluence avec le Rhône. Pour profiter pleinement de ce milieu sauvage et préservé, une barque est indispensable, car les trois quarts des berges sont endiguées et relativement abruptes. Sur le Vidourle aussi, rares sont les secteurs qui laissent la possibilité de pêcher du bord. Le Black Bass peuple principalement les 25 derniers kilomètres de ce fleuve côtier, juste avant qu'il ne se jette dans la mer Méditerranée, au Gros du Roi. Le parcours le plus intéressant débute à l'aval de Sommières, les populations de Black augmentant en se rapprochant de la mer. Le Vidourle est particulièrement propice à l'épanouissement du Black Bass. La présence de nombreux mini-barrages a causé le morcellement du fleuve en plusieurs biefs calmes et profonds, riches en végétation aquatique, garantissant au Black Bass des caches nombreuses et une nourriture abondante. Le canal des Capettes, long d'une dizaine de kilomètres, relie le Petit Rhône au canal du Rhône à 7, qu'il rejoint à Galician. Même s'il est possible de pratiquer en barque, car d'accès facile, il est particulièrement intéressant pour la pêche du bord. Alain Soulet est responsable scientifique et technique de la Fédération de pêche du Gard. Mais c'est avant tout un pêcheur passionné et surtout un grand connaisseur du Black Bass. Voilà notre fameux Black Bass, qui est un poisson donc bien représenté dans le département du Gard. Alors c'est un poisson à tendance carnassière, hein, c'est un prédateur. Il se caractérise par une tête relativement importante par rapport au reste du corps, puisque en gros, sur ce sujet qui est relativement petit, la tête atteint déjà un quart à un tiers de la longueur du corps. Ce qui fait que sa bouche est particulièrement volumineuse. C'est donc un prédateur qui est capable d'attraper des proies diverses, de différentes tailles, différentes natures. Et on peut supposer qu'il est relativement opportuniste dans sa stratégie alimentaire, ce qui lui permet de s'alimenter suivant sa taille
et le milieu dans lequel il vit, les proies disponibles, tout aussi bien d'insectes, d'amphibiens, de poissons fourrage, d'écrevisses, de petits crustacés, etc. Alors si on regarde de plus près la robe du black bass, on se rend compte que c'est un poisson au mimétisme assez performant, puisque la teinte de sa robe rappelle un peu un couvert de végétation, support dans lequel il s'embusque d'ailleurs assez souvent pour chasser ses proies. Alors il faut savoir qu'il peut aussi bien chasser à l'affût, un peu comme le brochet, c'est-à-dire attendre sous un obstacle un passage de proie vulnérable, ou tout aussi bien s'organiser en troupe pour chasser à court, comme les perches ou le cendre le font plus régulièrement. Donc c'est vraiment un carnassier très polyvalent. Et à ce titre, il est remarquable puisqu'il intègre un peu le comportement à lui seul qu'ont nos brochets, cendres, perches, même silures dans certaines conditions, puisqu'on le trouve tout aussi bien au ras de la surface que quelquefois par 20 mètres de fond et quelquefois davantage. Donc c'est vraiment un carnassier fantastique à ce niveau-là, sur l'adaptabilité qu'il a à coloniser différents types de milieux et à exploiter différents niveaux d'eau, différents types de postes. C'est un poisson qui est très affilié aux eaux calmes et relativement chaudes. Il a besoin souvent, pour qu'il soit présent en bonne densité, de beaucoup d'obstacles, des herbiers, des nénuphars, des arbres noyés, des enrochements, une diversité d'habitats, qui est d'ailleurs très bon pour l'ensemble du milieu, et qui est très bénéfique pour le black bass, puisque ce sont des territoires qui déterminent la capacité d'accueil du milieu, c'est-à-dire le nombre de poissons que le milieu peut contenir. C'est un poisson très musclé, c'est-à-dire qu'il est capable d'effectuer des déplacements très courts et de changer d'orientation très rapidement. C'est important pour lui, d'une part pour se sauver par rapport aux autres prédateurs, et surtout lui pour chasser parmi les obstacles qui constituent son habitat de prédilection pour chasser. Ce qui différencie le black bass de nos autres carnassiers habituels aussi, dans la forme de la bouche, bon, on a vu qu'il avait une grosse tête, c'est en fait il a très peu de dents. C'est un peu une dentition comme en ont les perches. Et de cette manière, il est obligé pour attraper ses proies, non pas de s'emparer avec des dents comme le font le brochet ou le cendre de ses proies, mais plutôt de l'aspirer. Il ouvre ses opercules, il ouvre sa bouche en même temps, ça crée un chenal d'aspiration et la nourriture vient s'engouffrer dans sa gueule. Donc c'est vraiment sa façon d'attraper les proies. Alors sur ce poisson qui est relativement petit, puisqu'il atteint à peine la taille légale actuelle de capture qui est de 23 cm, c'est un poisson, il faut savoir, qui a à peine 2 ans, qui vient de passer son deuxième printemps, donc qu'à 2 ans, il ne s'est pas encore reproduit. C'est un problème important à connaître et les perspectives d'augmentation, d'ajustement de sa taille à la première reproduction sont de bon augure. On voit bien que c'est un poisson qui a la gueule orientée vers le haut et ses yeux sont relativement proéminents, il a un champ de vision assez large. Donc c'est vrai que c'est un prédateur très visuel, qui utilise beaucoup sa vue pour se nourrir, pour repérer ses proies, qui est très orienté vers le haut. Mais encore une fois, il est très opportuniste et peut tout aussi bien attraper des proies entre deux eaux ou près du fond. Il a une très bonne vue, il distingue parfaitement les couleurs. Quand l'eau est teintée ou quand l'habitat est très dense, il se sert également d'autres organes sensoriels pour repérer ses proies, comme son oreille interne qui repère toutes les sonorités, ou bien la ligne latérale qui détecte les mouvements, les ondes des proies ou des leurres des pêcheurs dans l'eau. Le black bass en France semble avoir été introduit à la fin du 19e siècle, au Trocadéro, à Paris, semble-t-il, dans les années 1895. C'était dans un but d'acclimatation, d'essai initial. La répartition, plus spécifiquement son développement dans le sud de la France, dans le département du Gard en particulier, semble n'avoir été faite qu'après-guerre, donc dans les années 1950, où il y a eu quand même des campagnes soutenues de repeuplement, de l'introduction du poisson, qui a très vite trouvé un habitat très favorable du fait des eaux relativement chaudes, des eaux lentes, puisqu'on a pas mal de cours d'eau cloisonnés par des seuils qui font des retenues, assez riches en herbiers, en arbres morts, en nénuphars, en zone littorale où le poisson peut se reproduire, pour effectuer tout son cycle biologique. Et de ce fait, il se reproduit parfaitement bien, ce qui fait qu'on a atteint des densités très très intéressantes dans le département, avec des taux de croissance élevés,
puisque ben, cette productivité, cette richesse du milieu associée à des températures moyennes élevées de l'eau font que la croissance est remarquable. Frédéric Chassagne est propriétaire d'un magasin d'articles de pêche. Comme tout pêcheur passionné, lui aussi profite de chaque moment libre pour aller au bord de l'eau. Il pêche de la glace un peu partout dans la région, mais il a un faible indépendant de l'eau. Pour les pêcheurs qui n'ont pas d'embarcation dans la région, on peut aussi tout à fait pêcher le black du bord, hein, sur différents sites, mais surtout au bord de petits canaux, dans la région de la Camargue, qui est une très belle région, avec beaucoup d'oiseaux, une faune très très riche, et beaucoup de black bass. Pour les gens donc, qui viennent visiter, ça fait partie des choses à voir dans la région. Je vais vous présenter donc deux techniques de pêche, qui sont, je dirais, assez différentes et assez proches en même temps. Hein, donc, ce sont des techniques d'approche assez discrètes, le lancer ou la mouche, pour permettre de surprendre les poissons. Donc, le lancer est différent dans ces deux techniques-là, mais la technique d'approche et la recherche du poisson est assez comparable. Nous allons donc travailler sur un canal qui est peu profond, avec une eau assez sombre. Donc on va voir les différents types de leurres que nous pourrons utiliser dans de telles conditions. Donc au lancer, j'utilise des leurres tout à fait classiques, du leurre souple, de couleur assez vive, et des cuillères tournantes ou ondulantes, toujours des couleurs assez vives. Bon, pour les eaux sombres, moi j'aime bien les jaunes fluo, vert fluo, ou orange, des couleurs qui vont péter, qui vont claquer un petit peu. Ensuite, au niveau cuillère, on prend des cuillères avec des palettes assez longues, qui tournent bien, qui émettent beaucoup de vibrations pour permettre donc aux poissons de localiser le leurre dans des eaux comme ça, un petit peu teintées. Voilà. Pour la canne à mouche, donc même principe, on va utiliser des leurres assez volumineux, des imitations de grenouilles, là on va pêcher un petit peu plus en surface par exemple, ou alors des grands streamers en peau de lapin, donc dans des couleurs très vives aussi, et le noir à ne pas négliger, que j'aime beaucoup dans les eaux sombres. Pour le lancer, j'utilise moi une canne de 2,70 m, je trouve que ça passe à peu près partout en termes de longueur, aussi bien du bord qu'en barque quand j'y vais. J'utilise une canne avec une action de pointe assez marquée, un nylon dans le moulinet, un moulinet de pas trop gros, hein, un bon équilibre entre la canne et le moulinet, un ensemble qui ne soit pas lourd, facile à manipuler toute la journée, et un nylon assez fort, hein, parce qu'on va, je dirais, on pêche des poissons qui sont très combatifs. Souvent, il faut les sortir un petit peu d'autorité, des branches ou autres, des endroits encombrés. Donc, un 25-28 centièmes, c'est un bon compromis. Pour la canne à mouche, c'est un peu le même esprit. J'utilise une canne assez puissante, avec une soie assez forte, hein, donc je dirais entre 7 et 9, pour permettre de lancer des leurres volumineux surtout. C'est pas la puissance par rapport au black bass, c'est pas absolument nécessaire, sauf, bien entendu, pour le sortir des endroits encombrés, parce qu'on va vraiment le chercher souvent dans les nénuphars, dans les branches, etc. etc. Donc la canne à mouche, on utilise un bas ligne assez court, hein, 1m20, 1m50, c'est largement suffisant, et une pointe en 28-25 centièmes. Comme toujours en canal, une prospection méthodique s'impose. Frédéric se déplace à intervalles réguliers en réalisant plusieurs lancers tous les 5 mètres. Son aspect uniforme, la prospection au canal peut paraître monotone. Mais lorsque les poissons y sont nombreux et de surcroît actifs, comme c'est le cas en ce moment, la pêche est loin d'être dénuée d'intérêt. La meilleure époque pour pêcher le black bass au canal des Capettes est au mois de juin, entre la période de sa reproduction et les grandes chaleurs. Les eaux du canal sont généralement troubles tout au long de l'année. Il est donc conseillé de jouer, quant au choix des leurres, sur leur effet vibratoire et sonore, que sur leur colonne. Je viens de changer de leurre, j'ai essayé un petit peu la cuillère et même, qui est une animation, je dirais, linéaire, la cuillère tournante. Je viens de passer en leurre souple avec une animation beaucoup plus saccadée, hein, avec des arrêts, des petits coups de sion, et surtout ça me permet de passer dans les herbiers carrément, hein, avec ce type de leurre. C'est une imitation de verre que je vais passer vraiment dans les herbiers, dans les roseaux. Ça prospecte beaucoup plus les endroits encombrés que la cuillère.
Voilà, l'an des herbiers, on a une touche. Un beau poisson apparemment. Ouais, il essaie de rentrer dans les herbiers. On va s'approcher de lui. Voilà, joli poisson. On va le ramener doucement. Voilà. Bon, c'est pas très gros, mais c'est un beau poisson. Donc là, on va essayer de le décrocher délicatement. Voilà. Un joli poisson. Oui, il risquait pas de partir, il était bien piqué. Voilà. Toujours le prendre par la gueule. Très joli poisson. On va le remettre à l'eau. On réoxygène un peu. Et voilà, il est parti. Charles Bastien, que tout le monde surnomme Charlie, est un jeune chef d'entreprise, importateur des États-Unis de barques de pêche en aluminium, spécialement conçues pour pêcher le Black Bass. Mais Charlie ne se limite pas uniquement à la pêche. Il propose des barques entièrement équipées et aménagées, à la guise et selon les besoins de chaque client. La barque que j'utilise est une barque spécialement aménagée pour la pêche du Black Bass, avec deux plateformes pour chacun des pêcheurs, de manière à avoir une position de pêche surélevée, pour avoir beaucoup plus d'amplitude dans le travail avec la canne, que ce soit pour les lancer ou que ce soit pour le travail du poisson. De même, cela permet d'avoir un angle de vue pour les observations de la couche d'eau de surface bien plus intéressant, qui élimine déjà une partie des reflets sur la surface de l'eau. Ensuite, certains compartiments du bateau, certains aménagements, permettent des rangements du matériel dans des conditions sécurisées, notamment pour les cannes à pêche, dans un grand coffre à cannes, avec un intérieur moquetté, comme des coffres, on ne peut pas dire étanches, mais en tout cas avec des rebords qui permettent de tenir les appareils photo, les papiers, quelques vêtements au sec. Enfin, puisque c'est l'intérêt du bateau, c'est la pêche, un grand vivier a été apposé dans la plateforme arrière, de manière à pouvoir tenir les poissons que nous attrapons dans de très bonnes conditions de survie, avec donc un circuit de renouvellement d'eau et un oxygénateur intégré, de manière à pouvoir conserver les poissons toute la journée si c'est nécessaire, par exemple dans le cas de concours de pêche. Sur ces grandes barques de 5 mètres, intitulées donc bass boat chez les Américains, nous motorisons généralement avec des puissances de moteurs thermiques très importantes, pour pouvoir se déplacer très rapidement d'un poste à un autre, les poissons n'étant pas forcément toujours mordeurs d'une manière homogène sur le lac. On peut très bien avoir un endroit où les poissons sont peu actifs et l'endroit où les poissons sont beaucoup plus actifs, ce qui permet de prospecter un certain nombre de postes dans la journée. Ce moteur thermique, doublé d'un moteur électrique qui permet de garder les mains libres pour pêcher, j'insiste bien sur le fait d'avoir les deux mains libres pour pêcher, et qui permet de se déplacer dans les obstacles, au milieu des troncs d'arbres, pour pouvoir aller faire un petit coup très tout à fait particulier, ou bien se déplacer de poste à poste, ou encore, parce qu'on n'est pas tous d'excellents pêcheurs, d'aller se décrocher dans les branches ou derrière un rocher, en gardant le maximum de discrétion. Mais ce n'est pas l'intégralité de la pêche en barque. C'est pour une pêche bien spécifique et en des lieux où la taille du bateau et de la motorisation sont adaptés.
Donc en résumé, pour choisir un bateau adapté à sa pêche, il faut commencer par se poser la question de savoir où est-ce qu'on va pêcher, dans quel type de lieu nous allons naviguer. Est-ce que nous pouvons facilement mettre à l'eau un bateau de 300 kg ou vaut-il mieux un aménagement plus succinct avec une coque un peu plus petite pour pouvoir s'adapter à un peu tous les types de terrain sans être embêté. Facile avec une telle embarcation d'accéder rapidement au lieu de pêche sans perdre de temps en déplacement, ce qui est surtout important dans le grand lac, véritable petite mer intérieure. Facile également, dans le cas où les touches se font attendre, de changer rapidement de poste pour explorer. Encombré et profond, situé à proximité immédiate des herbiers aquatiques où abondent les insectes et se cache le poisson fourrage, à première vue, ce poste a tout pour satisfaire même le black le plus difficile. Faut-il encore sélectionner le bon leurre, le présenter au bon endroit, à la bonne profondeur et de façon convenable pour inciter le black à attaquer? Il faut dire que dans ce domaine, Charlie est très bien conseillé, car pêche à ses côtés Patrick Farrier, agent commercial pour la société Sama Fishing, qui propose une gamme très importante de leurres de nouvelle génération. C'est peu dire qu'il connaît parfaitement tous les modèles et la façon dont il convient de les manier pour les rendre attractifs et prenants. Malgré le changement de technique ainsi que de leurre à plusieurs reprises, et malgré tous les efforts de la part de nos deux pêcheurs, les black bass n'ont pas répondu présent sur ce poste. Inutile d'insister, il vaut mieux tenter sa chance à l'heure. Un coup de moteur et c'est parti. Cette fois-là, l'attaque est intervenue dès le premier passage. La preuve que quand un poste est occupé, et lorsque le black bass est en activité alimentaire, la touche ne se fait pas attendre. Le poisson est petit, mais les émotions toujours aussi grandes et intenses. Ce qui m'a séduit dans la pêche au black bass, c'est que c'est un poisson qui se nourrit de la surface jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 20 ou 30 mètres, et donc qui nous oblige à nous remettre en cause en permanence, de toujours trouver la méthode qui va marcher ce jour-là, de la surface entre deux eaux, plus bas et jusqu'à la profondeur. Donc ça nous oblige à utiliser une palette de leurres et à chercher, trouver la solution pour arriver à en prendre tout au long d'une journée. Donc on a deux solutions dans les leurres. On a la solution d'essayer d'imiter la nature, c'est-à-dire imiter une grenouille, imiter une écrevisse, un ver. Et également, on s'est aperçu que quand même le black est un poisson qui est très curieux. Donc on peut très bien également le leurrer avec des leurres qui ne ressemblent à rien de ce qu'il peut voir dans la nature. Au contraire, parfois, c'est la seule façon de le faire mordre parce qu'il n'est pas en phase alimentaire, qu'il ne mange pas. Donc des choses complètement farfelues, avec beaucoup de mouvements, peuvent provoquer l'attaque du black bass. Et c'est parfois gratifiant de prendre un black bass avec un leurre qui ne ressemble absolument à rien de ce qui peut être trouvé dans la nature. Donc pour traquer le black bass de la surface jusqu'au fond, on va avoir recours à plusieurs types de leurres. Des leurres type popper ou poisson à hélice pour faire beaucoup de bruit en surface, attirer son attention. Ensuite, on peut descendre un petit peu par le biais des poissons de nageurs. Alors, utiliser des poissons de nageurs avec des bavettes plus ou moins importantes qui vont nous permettre de descendre, de faire descendre un poisson de nageur et de le faire passer entre les obstacles pour le laisser remonter. On va souvent utiliser des flottants ou des suspending quand c'est assez dégagé et qu'on peut laisser sur place le poisson de nageur à même hauteur d'eau. Ensuite, pour un leurre qui va être très, très polyvalent, ça va être le spinnerbait. On va pouvoir faire pêcher de la surface en cassant la surface avec les palettes et ou le laisser descendre et le travailler à la hauteur voulue. On peut également l'animer sur le fond par petites tirées, saccades. Donc ça, c'est un leurre qui est extrêmement intéressant parce qu'il passe partout. Le système du spinnerbait étant basé sur le ratissage de zones même très encombrées. Ensuite, il y a des leurres également comme le jig.
Alors le jig est un leurre, moi je l'appelle le 4-4 des leurres, puisque lui il est vraiment fait pour passer dans les branches, les herbes, tout ce qu'il peut y avoir de plus encombré. Ces leurres-là, on va considérer que ce sont des leurres rigides ou mécaniques. Et disons que la palette de leurres la plus importante et qui laisse le plus libre cours à son imagination, ce sont les leurres souples. Les leurres souples ont énormément évolué. Aujourd'hui, dans les leurres souples, on trouve des matières nettement plus souples et plus douces qu'auparavant, avec à l'intérieur en plus des attractants, du sel, des arômes d'ail, des leurres qu'on peut injecter ou dans lesquels on peut injecter des attractants. Donc ça donne beaucoup, beaucoup de possibilités. Et sur des montages, en montage texan, sur des hameçons weedless, ça permet de passer également dans tous les obstacles sans s'accrocher ou de ratisser le fond sans jamais avoir d'accroche. Donc la moindre petite tirée quand on est sur le fond peut être une touche et on fait avec beaucoup plus de sécurité, sachant que ce ne sera pas forcément un obstacle, mais sûrement une touche. Pour Patrick, chaque sortie de pêche est une excellente occasion pour tester de nouveaux leurres afin de pouvoir mieux conseiller ses clients. Aujourd'hui, il a décidé d'essayer un leurre souple en forme de poissonnet qui s'utilise non plombé, juste sous la surface de l'eau, permettant ainsi la pêche à vue. Indiscutablement, ce leurre a de beaux jours devant lui. Ah. Voilà. Il y aura des herbiers là. Ah, il n'est pas énorme, mais bagarre bien. Allez. Là, il va falloir monter le poisson sur le fil. Ben voilà. Force de chercher, ça finit par payer. Allez, va grossir. C'est aux États-Unis que Ben a découvert le black bass, poisson fétiche des Américains, à qui il voue une véritable adoration. Là-bas, le black bass est l'objet des rêveries de tous les pêcheurs, il est le sujet des plus beaux écrits. Rien d'étonnant alors que les techniques mises au point pour sa pêche soient aussi nombreuses que variées et que des centaines de nouveaux leurres apparaissent sur le marché chaque année. Très vite, Ben s'est passionné pour ce formidable poisson. La raison pour laquelle je me suis mis à la pêche du black en France, c'est en fait parce que je suis parti aux États-Unis pendant une durée de 8 ans. Donc j'ai commencé la pêche aux États-Unis à Chicago. Je m'y suis mis au bout de 6 mois, grosso modo. C'est-à-dire que bon, j'ai regardé la télévision, j'ai lu beaucoup de documents sur la pêche du black. Parce que là-bas, c'est une vraie institution en fait. Hein. Les gens s'y mettent dès l'âge de 5-6 ans. Les gens font de la compétition, disons une fois par semaine, grosso modo, c'est ce qui se passe là-bas. Donc ce qui m'a intéressé quand je suis revenu en France, en fait, c'était de me remettre en cause, parce que je me suis dit, la pêche du black en France, ça va être exactement pareil que la pêche aux États-Unis. Et en fait, c'est vrai, grosso modo, mais il y a quand même quelques petites différences. Un gros exemple, par exemple, je suis déjà venu sur ce site ici, et je m'étais rendu compte qu'en plein cagnard, c'est-à-dire quand il fait très très chaud, durant la journée, les blacks montent en surface. Alors qu'aux États-Unis, quand il fait très très chaud, c'est même pas la peine de pêcher en surface. Il faut pêcher par exemple la jig. Donc c'est un leurre, ce qu'on appelle un leurre dur avec un trailer derrière. Et là, tu es obligé de pêcher très lentement au fond. Donc ça, déjà, c'est une grosse différence entre la pêche aux États-Unis et la pêche en France. Même si le poisson en fait est le même, hein, parce que le poisson français vient du Québec. Il est venu au début des années 1800. Donc ça, c'est une grosse différence. Également la couleur des leurres. La couleur des leurres joue énormément. Il y a des couleurs aux États-Unis qui marchent très bien. Je suis revenu en France totalement différent. Donc évidemment, il fallait que je me remette en cause. Voilà, ça c'était grosso modo les points les plus importants.
Ensuite, la compétition m'a quand même permis, enfin la compétition que j'ai fait aux États-Unis m'a quand même permis d'apprendre énormément de choses, parce que j'ai pêché avec des très très grands pêcheurs professionnels américains, ce qui m'a permis d'apprendre des techniques qu'on ne connaissait pas du tout ici, que moi je ne connaissais pas non plus. Hein, c'est, par exemple, le drop shot, ça c'est des choses qu'aux États-Unis on fait depuis 20 ans, 15-20 ans, alors qu'en France on commence juste à l'apprendre en fait. Hein. Donc c'est des choses que je commence à utiliser en France, et en fait il y a des techniques qui marchent très très bien. Techniques, ce qu'on appelle les techniques américaines, qui marchent très très bien. Par contre, il y a une chose qui est très intéressante à savoir, c'est-à-dire que parmi la multitude des leurres qu'on peut employer en France et aux États-Unis, il y a quand même quatre grandes familles qui se regroupent, qui marchent très très bien en France et très très bien aux États-Unis. C'est d'une part donc le spinnerbait, c'est donc ce leurre. Ensuite, le poisson nageur. La seule petite différence en fait entre le poisson nageur en France et aux États-Unis, c'est que là-bas on l'utilise surtout, c'est un leurre de recherche plutôt qu'un leurre de pêche. Et puis en troisième partie, c'est-à-dire les leurres de surface, qu'on utilise beaucoup plus en France qu'aux États-Unis. Et la dernière grande famille, c'est donc les leurres souples. Alors là, évidemment, il y a une multitude de leurres souples. Ça va de l'écrevisse, évidemment, à la salamandre, au ver de terre. Enfin, il y a énormément de leurres souples sur le marché. Hein. Ça, c'est incroyable. Mais c'est vrai que c'est quand même quatre grandes familles qui se regroupent, que ce soit les États-Unis ou la France. Oh, un beau black, un beau black. J'en ai un. À la bise en plus. C'est un beau hein, celui-ci. Ça va juste à côté des branches en plus. Ouais, je vais retourner chez lui. Hein. Ah, la gigue, hein, imitation écrevisse, ça a bien marché. Hein. Il est pas mal. Hein. Beau poisson. Il vient juste de terminer de frayer celui-ci apparemment. Un petit mâle. Allez, on va le remettre chez lui. Hein. J'ai une touche. Oui. Frédéric Charret, lui aussi, passe depuis des années de nombreuses journées à la pêche du Black Bass. Mais il a cette particularité de pêcher tous les carnassiers avec beaucoup de succès. Et aujourd'hui, il fait profiter de son savoir plusieurs revues de pêche avec lesquelles il collabore. C'est cette grande passion pour le Black Bass qui a réuni Frédéric et Ben, et qui les a poussés, il y a 2 ans, à former une équipe pour participer à des compétitions nationales et internationales de pêche du Black Bass, et de manière plus générale, de pêche sportive des carnassiers au leurre. Donc et bien, au niveau des cannes, nous ce qui nous intéresse principalement pour la pêche en bateau, c'est surtout des cannes relativement courtes et surtout très maniables pour permettre de lancer en revers et surtout aussi de pêcher à proximité du bateau. En principe, on fait des tout petits lancers, 10 mètres, 7 à 10 mètres, rarement plus de 15 mètres en principe, de toute façon. Donc des cannes d'1m80, 1m90, 2m10 pour les plus grandes. Donc au niveau des actions, tout dépend du leurre qu'on va utiliser. Des cannes plutôt raides et d'action de pointe, bien sûr, pour des jigs, toutes les pêches de fond. Ensuite, on a des cannes plutôt paraboliques et assez molles, comme celle-ci, pour les pêches de surface type popper ou leurre souple de surface non plombée. Donc assez molle, de façon à permettre des lancers aussi sous les voûtes d'arbres. Ensuite, des cannes d'action de pointe beaucoup plus marquées, comme celle-ci, pour pêcher avec toutes sortes de petits leurres souples, pas trop plombés, entre 1 et 10 grammes maximum. En principe, on utilise beaucoup de poids entre 1 et 6 grammes, du fait que ces cannes sont très sensibles. Ça nous permet de descendre vraiment dans des grammages très, très petits et de gagner aussi en discrétion pour les montages.
Une grande particularité des cannes aussi, c'est d'être en monobrin, c'est-à-dire sans aucune liaison au milieu d'un seul tenant. C'est un petit peu encombrant dans les véhicules, mais c'est vrai qu'au niveau résistance, c'est des cannes qui sont vraiment irréprochables, je dirais, pour ainsi dire, incassables par rapport à des deux brins. En plus, l'action est beaucoup plus fluide, il n'y a aucun point dur sur la canne. Sinon, la dernière grande famille, c'est des cannes, je dirais, d'action intermédiaire, ni d'action de pointe, ni vraiment parabolique, qui concernent toutes les pêches à type spinnerbait, poisson nageur. Voilà les quatre grandes familles de cannes, tout comme on retrouve les quatre grandes familles de leurres. C'est pour le plaisir, mais aussi pour s'entraîner pour la compétition, que Ben et Frédéric organisent régulièrement des sorties de pêche ensemble, un peu partout en France. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés sur le Vidourle, proche de Marcillargues, où est aménagée une belle mise à l'eau. Frédéric a choisi un leurre de surface extrêmement bruyant et produisant de fortes vibrations. Rares sont les black bass qui demeurent indifférents à un intrus si provoquant et si énervant. Ben a opté lui aussi pour un leurre de surface, mais il joue plutôt sur son aspect visuel, car il s'agit d'une parfaite imitation de grenouille. Ce n'est pas un black qui s'est fait tromper par ce leurre pour le moins original, utilisé par Frédéric, mais bel et bien un brochet. Rien d'étonnant, puisque lui aussi, tout comme le black, de par la position de ses yeux dirigés vers le haut, se saisit très volontiers de proies évoluant proche ou sur la surface de l'eau. Ben est convaincu de la présence d'un black sous ses grandes feuilles de nénuphar. Il est extrêmement attentif, car il est hors de question de se laisser surprendre par une attaque soudaine. Aisé de le sortir de ses herbiers. Mais Ben a su garder son calme et rester maître de la situation jusqu'au dernier moment. Tiens, touche! Ah, petit poisson! Petit poisson. Donc en ce qui concerne les moulinets, on utilise les deux grandes familles de moulinets qui existent, c'est-à-dire les tambours fixes, type spinning en fait, comme on se peut trouver beaucoup en Europe, et les moulinets casting à tambour tournant type américain, enfin ce qu'on appelle type américain puisque ce sont surtout des moulinets utilisés aux États-Unis. En fait, le grand avantage de ce type de moulinet, c'est de permettre des lancers complètement différents des moulinets spinning. On peut lancer en fait en amortissant les leurres, c'est-à-dire sous les voûtes d'arbres, et aussi faire des lancers très loin tout en posant leurre en douceur comme une feuille morte, c'est-à-dire pratiquement sans aucune ride sur l'eau, ce qui permet d'approcher les poissons avec le leurre en toute discrétion, sans les éveiller, sans faire trop de bruit. C'est vrai que sur des poissons peu éduqués, ça prend une grande importance, mais sur des poissons vraiment méfiants, comme des gros basses ou alors même des gros carnassiers en général, puisqu'en fait ce sont des moulinets qu'on peut utiliser pour n'importe quel type de pêche, hein. Ça permet vraiment de faire la différence sur des gros poissons méfiants. Ça, c'est indéniable. Par contre, un petit inconvénient du casting, c'est en principe de ne pas pouvoir jeter des leurres trop légers. C'est-à-dire qu'en dessous de 3 grammes au niveau du plomb, plus le poids du leurre, on a un petit peu de mal à jeter vraiment en puissance et au loin ce type de leurre. Donc, à ce moment-là, on utilise un spinning qui part beaucoup plus facilement,
ce qui nous permet de jeter des leurres très très légers, je dirais de moins de 5 grammes, leurre et plomb confondus, à des grandes distances correctement. En ce qui concerne les nylons, là, on peut utiliser vraiment du 16 centième au 35. En moyenne, 26 à 30 centièmes, c'est passe-partout. 35 centièmes, et voire éventuellement 40, dans vraiment des encombrements de bois mort pour pêcher des gros poissons avec des cannes très puissantes. Et à contrario, du 16-18 centièmes sur des eaux très très claires, des gros poissons très méfiants. On peut descendre sur des sections aussi fines, ce qui permet de toucher en principe plus de poissons en utilisant là des tout petits leurres, vraiment microscopiques pour ainsi dire, des toutes petites écrevisses, des tout petits vers. C'est à la mouche et en flotte fluide que Jean-Marc a décidé de s'attaquer au Black Bass Bigard. Et ce n'est pas ce petit orage d'été qui va gâcher son plaisir ni l'empêcher de continuer. Pour la pêche du Black Bass, il est souvent indispensable d'avoir une embarcation style flotte tube ou une barque, car les poissons sont souvent sur les bordures très encombrées, donc il est difficile de pêcher du bord. Pour ma part, je préfère utiliser un flotte tube, car ça permet d'approcher les poissons plus près, et de vraiment être de plus communier avec eux, on arrive à mieux les localiser et surtout on les effraie moins. L'avantage d'un flotte tube comme celui-là, c'est qu'il a un V derrière, donc on se dirige beaucoup plus vite et on est beaucoup plus directionnel. L'important aussi dans un flotte tube, c'est d'avoir plein de poches pour éviter d'avoir plein de gilets chargés dessus nous, donc d'être beaucoup plus à l'aise pour pêcher, parce qu'il faut savoir qu'on a besoin de souvent lever le bras pour dégager les lancers. En ce qui concerne le matériel à utiliser pour pêcher le Black Bass à la mouche, on a besoin d'une canne environ de 9 pieds 6, c'est la bonne longueur, qui a suffisamment de longueur justement pour pouvoir arriver pêcher sous la canne, en soit de 7. Donc ce genre de matériel va pouvoir nous permettre de propulser tous les leurres, sachant que pour la pêche du Black Bass, on a besoin de leurres hyper légers et petits, voire très gros et très lourds. Donc la soit de 7 avec ce genre de canne va pouvoir nous permettre de tout propulser. Au niveau du moulinet, il est important d'avoir un moulinet avec un large arbor. Maintenant, pour toutes les pêches d'ailleurs, c'est à peu près ce même système. Ça permet de récupérer plus vite et d'avoir moins de vrillage au niveau de la soie. Donc la soie, par contre, c'est une soie qui est forcément avec un ventre décalé par l'avant. On appelle ça les WF ou aujourd'hui les JMC R2T. Donc c'est vraiment des soies qui propulsent facilement les leurres. C'est forcément également une autoflottante, parce que la plupart du temps on fait des pêches de surface, donc il faut à tout prix que la soie flotte pour bien faire flapper les leurres en surface. Au niveau du baline, là par contre c'est très important d'avoir un baline pas très long et très dynamique. La plupart du temps on utilise des balines à plusieurs brins de diamètre différents. On démarre sur une soie de 7 avec du 50 centièmes, on va en mettre 50 cm, 50 cm de 40 centièmes, 50 cm de 30 centièmes. Et après, on choisit sa pointe en fonction des leurres avec lesquels on va pêcher. Petit leurre, on va descendre en 18 centièmes, 20 centièmes. Gros leurre, on peut mettre carrément la pointe de 30, au lieu de mettre 50 cm, on va mettre 1,50 m. Comme ça, on aura un baline relativement court et dynamique. Ah, voilà, qui est même assez beau. D'un moment qu'on les cherche, on va essayer de faire attention de ne pas le perdre dans les nénuphars. Il faut tout de suite se dégager. Voilà. Non. Voilà, il est dégagé. Là, il a aspiré juste le gros poporce, comme si il voulait me faire voir qu'il ne le prenait pas. Ouais, il est pas vilain, poisson qui doit faire un bon kilo. Voilà.
Ouais, très beau poisson. Magnifique. Remise à l'eau. Voilà. Il est important d'avoir une panoplie de leurres qui va pouvoir permettre de pêcher toutes les situations. C'est-à-dire, on va dire des poporces. Des poporces, c'est quelque chose qui va pêcher en surface, qui va imiter des grenouilles, qui va imiter tous ces genres d'insectes qui sont à la surface de l'eau. Et on va faire flapper la plupart du temps le poporce. C'est-à-dire, on va faire du bruit. Comme quand une grenouille se déplace, on entend le cloque. Et le poporce va faire pareil. Simplement, c'est que plus la pêche sera difficile et moins il fera faire flapper le leurre. C'est plutôt l'impact du leurre qui sera sur l'eau qui va appeler le poisson. Le poisson va venir dessous, il va le prendre. Ensuite, il y a une deuxième genre de pêche. Ça va être au streamer, petit streamer, pour imiter des alevins. Et la troisième particularité aussi des autres leurres pour le black bass, c'est des très gros leurres en lamelles de lapin qui, eux, vont imiter vraiment des plus gros leurres et qui vont pêcher plus à fond. Mais ça sera toujours par le même principe, c'est le bruit qui va appeler le black bass et après on va, d'après l'animation, le séduire ou pas. En règle générale, le black bass se pêche en période chaude, où il fait en été. Dès que, suivant les régions, ça peut être à partir du mois d'avril. Là, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il fasse très chaud puisqu'on a un orage. La difficulté va simplement être de trouver les poissons, à quelle hauteur ils vont se nourrir. Donc, on va essayer quasiment tous les leurres. Donc, de surface, mi-haut ou au fond. Par contre, ça peut être une très bonne situation, parce que les black bass ne craignent pas du tout l'orage. Ils adorent même cette situation de pression atmosphérique qui est changée. Lorsqu'on pêche au poporce, le plus important, c'est de tomber le plus près possible de l'obstacle en faisant un petit peu de bruit. Et il faut attendre que les vagues qu'a créé l'impact du poporce se répartissent pour appeler le black bass. Une fois qu'on a attendu 5 secondes, là, on commence à le faire flapper pour créer encore d'autres bruits pour faire venir les poissons. Plus le poisson est éduqué, moins il faut faire bouger le poporce. Alors là, je viens de changer, j'ai mis une écrevisse en peau de lapin. Alors c'est un leurre qui est assez meurtrier aussi parce qu'il nage tout doucement, il faut l'animer vraiment lentement et toujours tomber près des embuscades, des nénuphars, des obstacles. Et là, il faut bien contrôler son bas de ligne parce que des fois, on peut très bien prendre un black bass sans avoir senti la touche, donc il faut voir si le fil va partir. C'est un peu comme au poisson mort-manié. Il ne faut pas hésiter de laisser travailler son leurre tout seul. Le black bass est un poisson de sport à bien des égards. On sait qu'il peut être pêché à de multiples techniques. Moi, je le pêche beaucoup au leurre parce qu'il y a certains avantages techniques, aller le chercher dans les endroits encombrés, mieux cibler son comportement d'attaque. Alors, quand on l'a au bout de la ligne, c'est phénoménal. Il se bagarre, il cogne, il saute, il fait des cabrioles en surface, il secoue sa gueule, il replonge. C'est un poisson très musclé, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, fantastique. Moi, c'est mon poisson coup de cœur. Je suis également membre de l'association Black Bass France qui œuvre pour justement promouvoir un peu les techniques nouvelles, les techniques modernes de pêche du black bass qui viennent essentiellement des États-Unis, plus récemment aussi du Japon, ils sont également très pointus.
Il y a des compétitions qui sont organisées dans un cadre sportif en Europe, en Espagne notamment, en Italie, pour lesquelles je participe. Et donc dans BBF, au sein de l'association, nous essayons de promouvoir aussi le développement du poisson auprès des gestionnaires, des fédérations, des associations, sous forme de conseils ou de prestations par des représentations. Mon bateau farouche, têtu et fantasque, le Black Bass ne cesse de susciter auprès des pêcheurs un intérêt grandissant. Il passionne de plus en plus de jeunes pêcheurs avides de sensations fortes pour qui la pêche n'est qu'un sport où ce n'est plus le résultat qui compte, mais la façon d'y parvenir. Car ce poisson d'exception sera donné à ses adversaires du fil à retordre pour le leurrer d'abord, mais aussi pour résister à ses cabrioles. La bagarre est toujours explosive et garantit un plaisir intense. Ce nouvel aspect sportif de la pêche et le riche potentiel halieutique du département ont incité le comité départemental du tourisme du Gard à incorporer des activités pêche dans ses propositions touristiques, comme nous l'explique Jacques Raymondeau, chargé de mission. Le département du Gard, c'est des atouts climatiques, on le voit aujourd'hui, un magnifique soleil. C'est aussi, bien évidemment, une richesse halieutique assez rare et donc qui donne une grande diversité de poissons. Par rapport à ça, bien évidemment, et fort de ces atouts climatiques et d'hétérogénéité piscicole, le CDT du Gard a décidé, il y a maintenant environ 4 ans, de se lancer dans une politique volontariste en faveur du tourisme-pêche. Alors de grandes actions ont été menées, le partenariat avec la Fédération de pêche du Gard, bien évidemment. Ensuite, l'édition d'une brochure rassemblant les aspects touristiques du Gard, évidemment, et les atouts piscicoles. Et ensuite, aussi, un cas que je crois unique en France ou assez peu développé, c'est la vente des cartes pêche vacances dans tous les offices tourisme, l'office du tourisme du département. Alors, ces ventes de cartes pêche vacances sont en progression annuelle, ce qui prouve bien que ça correspond quelque part à un besoin où on offre une activité complémentaire à des touristes qui viennent évidemment passer leurs vacances traditionnellement dans un département du Sud. C'est sous le soleil généré du Languedoc, entre mer et céleste, que le département du Gard découvre ses mille visages. Des forêts profondes et gorges escarpées, des garrigues parfumées et cette terre de liberté qu'est la Camargue composent une mosaïque de paysages et de traditions pleines d'émotions. Il y a le pont du Gard, aqueduc romain constitué de trois étages d'arcades qui enjambe le Gard. Mais il y a aussi d'innombrables villages pittoresques qui se dressent fièrement au sommet des collines. Premier duché de France, ville d'art et d'histoire. Au centre-ville, l'imposant château des Ducs, dont la maison date du Xe siècle, occupe un vaste quadrilatère fortifié dominé par trois tours. Partout dans la ville, la pierre sèche qui a depuis toujours inspiré de remarquables prouesses architecturales témoigne d'un passé riche et lointain. Le jour du marché, la célèbre place aux herbes se pare de mille couleurs, senteurs et saveurs d'abondants produits. Cette contrée pleine de charme donnera du